Le Naos, salut. Ok. Donc finalement, maintenant on veut me bouffer pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pas réellement enterré en fait. Ils ont fait ouais, on va l'enterrer sous un centimètre de terre, comme ça quand il va ressortir, on va dire qu'il a ressuscité, ce sera trop ouf. Et du coup, parce qu'ils sont futés en subterfuge, je suis dans une merde pas possible. Et je suis pas serein du tout. Oh. Les transgressions guerrières de notre nation sont en marche. Elle s'est pendue avant que je puisse l'en empêcher. Ou elle... C'est pas... Non. Attends, pas elle. Il. Oh, putain de merde. Comment ça, il? Ah ouais. C'est plus calme que tout à l'heure déjà. La mine, ça doit être ça. Bordel, comment je fais pour descendre là? Ok. Aïe. Ah. Le sol va s'effondrer. Ah non. Désolé, j'ai dû prendre la corde de cette poulie parce que je voulais monter au ciel. Si cet Ézéchiel boursouflé ne vous donne plus de cordes, vous pouvez me décrocher et la reprendre, car je pense ne plus en avoir besoin. With the Rigafrack. Ouh, ça a l'air haut quand même. Je peux passer par au-dessus la porte. Bah voilà pourquoi. D'ailleurs, en parlant de ça. Je vais mourir si je descends par cette trappe. Peut-être qu'il y a une corde ou autre chose. Mais je m'en fous de ça en fait. Moi, je veux juste voir. Non, je veux. Ok, d'accord. Bon, je vais sortir maintenant. Je veux bien te croire, oui. What the fuck? Il y en avait un autre avec moi? Bon bah je suis mort. Ah mais c'est pas vrai. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont putain de combien? Prends nos péchés.
J'ai pas envie. Casse-toi. Eh, j'ai appuyé sur S là. Franchement, je sais pas comment ça fonctionne cette merde de QTE. J'ai appuyé sur S, mais c'est pas passé. À moins que j'ai rappé sur une autre touche. Bon, on va tenter de voir comment ça se passe, mais visiblement, ça peut pas vraiment se passer calmement cette histoire. Faut que je réussisse juste à me barrer de ce putain de village de merde. Ah bah reprends ta respiration, gamin. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, c'est pour ça qu'il la détache. Je viens de tilter. Pour pouvoir prendre la putain de corde. Mais bug pas dans le buisson. Merci. Merci, c'est tout ce que tu trouves à dire. M'en prendre une. On zigzague, on zigzague. Le roi des galeux. Non, ça ira. Très peu pour moi. Dépêche-toi. T'as pas une heure. T'as pas 30 ans. Permettez, je fais un petit truc avant. Voilà. Oh, attends, oui, c'est vrai, excuse-moi. Voilà, il a aussi bougé sur le PS. À part 5 minutes de time-out pour toutes les blagues de merde que t'as fait, je trouve que ça va. Oh putain, c'est immonde. Oh putain, j'y vois rien. Ah merde, on est dans l'école encore. Si je pouvais... What the fuck is happening? Allez, trouve un putain d'endroit où aller là. Là, une porte. Je vais prendre un screamer, mais. Ok.
Il est vraiment serein le mec à vouloir re-rentrer là-dedans quoi. D'accord. On reste combien de piles avec Comment je fais pour sortir d'ici? Ça va, niveau pile, je suis large, niveau bandage, je suis au max. Oh, du sang! Wow. Oh! Oh merde! Comment il est passé à l'étage supérieur, ce con? Ça me rappelle quand même étrangement l'hôpital du 1 quand même de voir ces... me demandez pas comment j'ai trouvé cette trappe, j'en ai aucune idée. Ah, tu passes directement les portes en les refermant derrière toi, toi. C'est... Quand je vais me retourner, ça va me péter à la gueule. Bon, il doit y en avoir une autre. Si j'ai bien saisi le message, ça doit être ça. Il doit y avoir une autre trappe. Ouais, elle est juste là. Alors que mon personnage me meurt de froid. Bon, ok, y a rien d'autre d'intéressant. Oh, bug pas maintenant, saloperie. Mais merde, il est encore derrière moi, ce con. J'ai fortement l'impression qu'on retourne sur les lieux du 1, en fait. Quand je vois les trucs comme ça, parce que certes, c'est une école, mais... Ok, donc maintenant, je peux accéder à la cuisine sans problème, y a pas de souci. J'ai trop de bandages. Qui l'eût cru? Le mot, il a peut-être évolué. Bon non. Tu n'es pas seul. What? Oh. Alors, c'est pas que je suis pas serein. Mais c'est que la drogue, c'est mal. Jessica! Viens! Jess! Hey! Vite! Jessica, tu m'entends? Aide. Viens. Et ainsi vivre dans ton amour. Éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus homme, et ainsi vivre dans ton amour. Vite! Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur. Je perds pas de batterie dans ce truc-là. Par ici, Blake. Jess, t'es là? C'est un peu violent comme... Ah, ça y est, Scorpion de retour. Ils sont un peu agressifs sur les screamers quand même. Ah, excusez-moi, c'était à moi de reprendre mes esprits dans le jeu en fait. Non, moi j'ai envie de remonter. Bon bah tant pis, je vais passer par là. Passer par le trou du cul du monde. Je vais mettre sur l'endroit le plus visible du siècle dernier. Un lac. Ok.
Ok, va de l'autre côté du lac. C'est moi ou il vient de briser le quatrième mur en me disant littéralement à moi, le joueur, d'aller de l'autre côté du lac. Genre, vas-y, j'ai pas envie de mourir. J'y vois rien par contre, Blake. Ok, non, je vais pas mettre un putain d'orteil dans cette eau. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche avec ce lac. Ça veut dire, on va prendre un petit bateau, les gars. Ça, j'aime bien ça. Ça ressemble un peu à la zone de Martha, j'aime pas bien. J'aime pas bien ça, moi. D'abord, aller voir dans la maison à côté. Si je peux. Au moins, dans sa tête, il imagine qu'il a un corps magnifique. Hein. Mais l'ambiance est super sympa. C'est des têtes, c'est des fœtus, c'est des... Oh. Ah, c'était bien ça que tu voulais filmer. Hein. C'est quoi? Ah, il les filme pendant 15 ans par contre. Une tour. Une tour radio ou une liaison hertzienne. Ah, je me disais bien qu'il y avait un souci. Peut-être. La civilisation. Le mec, il est en train de filmer des brochettes. Sortir. D'accord, donc lui, en fait, il voyait juste ce qu'il y avait là-bas. Ah putain, t'es quand même vachement loin, Coco. Ça fait quoi si je vais au bord du précipice? Quelqu'un qui arrive et qui me pousse? Oh. La musique, elle s'enjaille là. Oh merde, il va m'arriver des couilles d'une fois de l'autre côté. Aïe! Mais le fait est que c'est beaucoup trop calme à mon goût. Quand tu passes ? Eh non mais sérieux, tu passes au-dessus ça, c'est... Je veux dire... T'as des règles dans la vie, les troncs d'arbres, tu passes au-dessus.
J'aime tellement pas ce qui est en train de se passer là actuellement. Je sais pas pour vous hein, les viewers, mais je ne suis pas des plus sereins actuellement. Oh, une pagaie. Tu peux le traverser avec ça. Oui, traverser avec un radeau, oui. Permets, je vais aller fouiller les maisons où je pourrais mourir d'une façon un peu plus acceptable avant. Vous n'avez pas des piles, non? Si vous trouvez ce message, revenez immédiatement à Temple Gate pour dire à Papa Knut que les horreurs et le tourment qui se trouvent ici met à l'épreuve ma foi en Dieu. L'homme seul ne peut pas lui faire face, l'ennemi attend dans les ténèbres, que Dieu sauve mon âme et la vôtre. D'accord. C'est sympa? Non mais... Bon bah j'avais verrouillé mais ça me sert à rien finalement. Je vais recharger quand même ici avant de rentrer. Bah c'est tout, hein. Ils ont disparu. Ils ont disparu vers l'infini et au-delà. Bonsoir, Noir de Rose. Oh. Pourquoi je fais ça moi sinon? Hein? Pourquoi je suis en train de remonter ça alors que je pourrais me barrer avec... avec le radeau? Révérend Knud, je ne reviendrai pas de mon voyage de chasse en plusieurs semaines et j'espère que Paul vous livrera cette lettre dès que possible. En vérifiant les pièges de l'autre côté de la montagne, à environ 8 km au-delà des mines, j'ai repéré des tours métalliques entre les arbres les plus hauts. Elles semblaient avoir été mal camouflées par des feuilles curieusement symétriques. J'ai tenté de rejoindre la base des tours en pensant pouvoir trouver des informations concernant leur utilité ou l'origine de leur construction. Mais je ne pense pas avoir marché plus d'un kilomètre dans leur direction, lorsque j'ai été submergé par des rêves éveillés d'une puissance que je n'ai jamais connue auparavant. J'ai eu des choses que je ne peux pas décrire, j'ai eu des flammes et des insectes, et ce qui peut avoir été des bouches, et ce qui peut avoir été des organes sexuels. J'ai dû marcher alors que j'étais dans cet état de transe, car j'ai repris mes esprits à une grande distance de cet endroit, et je n'ai pas été capable de retracer mon chemin jusqu'à ces tours. Ah, on en apprend un petit peu plus sur ce qui se passe quand j'ai des petites hallucinations visuelles. Mon corps a réagi quant à lui de manière moins digne, et je suis trop embarrassé pour décrire ses réactions physiques. Je pourrais peut-être les décrire en privé lors de mon retour à Temple Gate. John. Sinon, Noir de Rose, comment vas-tu? Hein? Ça va? Bien? Tu viens pour la lecture hebdomadaire de l'évangile selon Blake? Bon, hebdomadaire, voilà. Mais cet homme a quand même de sérieux problèmes. Il est toujours au mauvais endroit au mauvais moment aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas là. Les secours. Les secours ne venaient pas. D'accord. Tout ce que t'as à dire. Fine. Je suis juste en train de me demander quand est-ce que je vais mourir pour la prochaine fois. Parce que je suis déjà mort quelques fois. Ah, génial, des pagaies. Allez. Là, on va rigoler. Tu es censé interagir sur cette séquence ou ça va se faire tout seul? Ah! Vous la sentez, la quenelle, là, qui arrive? Hein? Je
suis pas le seul à sentir qu'il va y avoir une couille ici quelques secondes là. Oui. On va aller un peu par là-bas du coup. What the fuck? On va aller en direction de la lumière, hein? Oh mon dieu. Ce sont les signes. L'apocalypse. J'espère que j'ai juste perdu la raison. Ah bah moi aussi j'espère que t'as perdu la raison et que c'est tout, hein. Non mais fantastique. Je me sens tout à fait à l'aise. Vite, récupère ton radeau. Rejoins ton putain de truc de fortune. Non, non mais m'aide pas. Laisse-moi. Oh mon dieu, mec tu es laid. Lâche-moi. Je m'en fous que tu sois le projet Wallrider du premier jeu. Je bats les couilles. Ah oui non mais je veux remonter moi. Laisse-moi remonter. Je vais me casser aussi accessoirement. Laisse-moi me casser. Absolument tout veut ma peau. Ils t'ont tous abandonné. Non, en fait, je pense que j'en ai aussi qui me regardent en jouant. Du coup, ils parlent pas des masses. Scorp est parti se laver, donc de toute façon, voilà. Et sinon, en dehors de ça... En dehors de ça, il y a juste qu'il y a personne qui parle dans le chat. Allez. Ah bien. Non mais, tu sais que quand il y a un courant d'eau comme ça, ça veut dire qu'il y a une chute quelque part. Mon petit. T'es sûr de vouloir faire ça? Moi, je continuerai pas. Voilà, je te préviens juste. Ah, je vais me prendre une putain. Je vais finir sur une cascade, hein, je vous jure. Ça va mal finir. Ça va tellement mal finir. Ça peut pas bien se passer. Oh merde, ça va être plus vite. Ah, il t'attendait à quoi? Quelle bâtisse de merde! Ça me merde, mais t'as vu ce qui se passe, lui? Merde! Putain! Allez! Juste! Ah! Merde! Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu... Pourquoi est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le clic ne fonctionnait plus? Je veux savoir. Ils m'ont fait cliquer, puis au bout d'un moment, ils m'ont dit fuck, c'est tout. Je me suis bien fait avoir par le jeu en lui-même, là. Je me sens un petit peu sale. Bon, et si j'essaye de prendre un autre chemin, un peu plus... On entend bien le bois qui frotte sur la pierre là. Allez. Ouais, donc déjà à partir de là, tu sens qu'il y a...
Ouais. Ok. Non, mais quelle bâtie de merde! Juste. Ah! Merde! Putain! Allez! Juste. Ah! Merde! Ah, quand même! D'accord, ça a bugué tout à l'heure. Les voilà! Ils ont pris Lynn! J'y suis presque. J'y suis presque, Lynn! La secte veut sa mort. Ces bons chrétiens. Dieu a dit qu'elle devait mourir. Mais les autres, les hérétiques, veulent couper Bénès. Pour défier Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de bébé? Je dois... Oh, Seigneur. Lynn, j'arrive. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter à l'eau, là? Le mec, là? Merde! J'étais pas très loin. Ah, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus, que c'est des tarés? Tant de corps flottants que j'aurais pu marcher à la surface sur leur dos. C'est presque drôle. Drôle? C'est comme ça qu'on peut marcher sur l'eau. Souvenez-vous, les enfants. S'il y en a un qui a réussi à marcher sur l'eau, c'est parce qu'elle était remplie de cadavres. Citation d'Outlast 2, hein, je veux dire, j'ai rien inventé. Fantastique. Ah merde, on l'a d'autres. Faut passer par la gauche, non, du coup. Autant que faire se peut, je vais passer par le côté où ils ne sont pas. Merde, ils vont être partout bientôt. Qu'est-ce qui fait autant de bruit? Qu'est-ce qui va se passer pendant ma traversée? Oh, ça commence à devenir tendu là. Oh, oh, dai, oh, dai. Vous pouvez rien faire là, sérieux? Ah, c'était voulu en fait. Ah, je me posais des questions parce que j'étais en train d'aller vers la gauche, il tourne à droite. Merde! Merde, le radeau! Faites qu'il soit toujours là. Personne ne m'a remarqué. Je vais bien. Tout va bien. Mon fils de pute. Wow. Ils ont des décos très particulières. Tué en tant qu'avertissement ou en tant que bienvenue. Nous sommes tous les bienvenus. Ouais, non, c'est comme sur le premier, le personnage est en train de sombrer lentement dans la folie la plus totale. Ouais, on va faire tomber l'arbre.
L'amour nous a libérés, c'est pas mal. Votre conception de l'amour, elle a l'air sympa, mais... Ouais, laissez-moi me barrer. Tellement la merde. Depuis quand je vais bien m'en sortir en faisant ce genre de choses, moi? Même dans les films d'horreur, ça marche pas, ça. Oh merde. Passer. J'ai vu un mec sauter d'une rive à l'autre là. Mais oui. Qu'est-ce qui leur empêche de me sauter dessus? Oh, j'aime pas ça. Pourquoi tu me remets sur la caméra, toi? Il nous fait une MacGyver, là. Il y a plus que 3 rondins sur son putain de bateau à la con. Sa pagaie, elle est moisie du cul. Mais il le fait. Ah, le pont là où je suis tombé tout à l'heure. On se rapproche, on se rapproche. Voilà la mine. Voilà, je veux juste qu'il ait cet éclair de génie. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui faire? À ta place. Je pense qu'elle est la mère de quelqu'un. Ils m'ont appelé le père. Je peux pas, là. Ça fait des mois qu'on n'a pas... C'est pas possible. Là-bas, on voit une échelle. What the fuck? Oh, c'est pas vrai. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je te fasse un câlin? Ouais, c'est toujours là qu'il se passe des trucs dans les toilettes des filles, de toute façon. Là, qu'est-ce que je disais? Je me permets de regarder un petit truc? Ouais, d'accord. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Oh, le classique. Ah, c'est bon ça. Classique et efficace, les chiottes qui gerbent du sang.
ou du ketchup selon la consistance, parce que là actuellement on est sacrément en présence de ketchup. Il arrive. Pourquoi tu cries dans les toilettes des hommes alors que moi j'étais dans les toilettes des filles? D'habitude c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, les portes se sont ouvertes. Enfin, la porte s'est ouverte. Maintenant, j'aimerais bien faire le tour de cette piscine quand même. Même si là, ça va être fermé, je veux dire... Là, c'était évident. Il fallait quand même que je fouille, histoire de voir s'il y avait pas une pile ou une connerie comme ça. J'ai de groseille, je dirais. Ah, j'avoue. J'avoue, c'est bien rouge comme ça, un peu clair, pas trop foncé comme devrait l'être le sang d'ailleurs. Ah, y a moyen. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le sang c'est assez assez sombre hein, de base quand même, mais quand c'est imbibé sur un mouchoir d'une certaine façon. C'est quand même sacrément rouge clair quoi, c'est... Non, encore lui quoi. Ah merde. Ah, putain de merde. Fils de pute. Merde. Il est en mode panique le mec là. Bon, alors niveau pile, j'en fais pour sortir d'ici. Plus que 3 piles. Bon, cette salle elle est fermée. Ouais, c'est ça, je vais rentrer tout de suite. Ouais. Alors c'est bon. Regardez la piscine d'ici. Oh leur piscine. Ils organisent des compétitions ici, c'est ça? Allez. Merde! Aide-moi! Oh putain! Ça peut s'arrêter parce que... Pas maintenant, toi. Bon bah j'ai raté des trucs du coup, ça m'emmerde. Salut Quentin Lebon. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Ça a l'air super accueillant comme coin. Ça va, il pleut pas du sang histoire de continuer dans la... Je vais fermer ma gueule moi maintenant. je vais juste fermer ma gueule. Hein. Permettez, hein, je ferme ma gueule. Une pluie de sang. Qui coulait de ses chaussures, je crois. Bah écoute, sur juste... un classe 2 quoi. J'ai donc évité ouais, ça dans le sang pour ne pas laisser de traces. Ah, oh, c'est dégueulasse. Bon, et une fois qu'il y aura eu tous les... Comment dire... Tous les événements annonçant l'apocalypse, c'est la fin du monde, vous voyez. Va attendre un petit peu, Score. Je te fais ça, je fais ça à la pause.
Écoutez, en parlant de pause, c'est pas le jeu idéal pour se détendre. Je ne comprends pas, franchement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, voilà. Je vais prendre une petite pause, personnellement. Donc ça va être quoi, histoire de 2-3 minutes, discuter un peu avec vous et puis redonner ses droits à Scorp. Signé en tant que modo. Voilà. C'est bon. Ah. Sinon, Quentin Lebon. Qu'est-ce qui te fait venir particulièrement sur ce live? Je veux dire, tu étais intrigué de voir quelqu'un qui n'avait pas encore joué à ce petit Outlast et qui ne l'avait pas fait. Je trouve que ce jeu ne fait ni peur ni angoissé. Dixit, le mec qui tout à l'heure s'est fait pipi dessus, hein, tout va bien. En toute amitié, bien sûr. Voilà. Ah. Non mais la petite pause sera pratique surtout pour que je puisse ensuite faire mon petit découpage pour la rediffusion sur YouTube. Ah là là. Bon. La drogue n'est plus tout le délire des gens présents, peut-être les trois. Stop, tu fais beaucoup de choses à la fois quand même, je trouve. Bon. Oui, c'est vrai. Il va commencer à se faire tard, donc je vais aller fermer la porte quand même. Voilà. Non, parce que bon, si je commence à parler un petit peu plus fort maintenant, la porte qui était juste derrière, celle que je viens de fermer, menait directement sur le couloir, donc dans un appart, je vais peut-être pas faire le malin comme ça. C'est la porte de quoi? C'est la porte d'entrée. Enfin, j'ai une petite porte d'entrée. Un petit couloir d'entrée, pardon. Bref, je peux reprendre. Vient quoi? Oh, des croix. Allez, rechargeons les piles, on arrive devant. Quoi? Lynn? Ah petite, je ne t'entends pas. Articule. Oh. C'est Martha qui m'a enfermé là. Passer par en dessous. Je peux passer dans la gouttière. Non, j'ai pas le droit. Un espace restreint, c'est ça. Par contre, le mec doit tellement se briser le dos et la nuque pour pouvoir faire des... Bonjour! Une livraison de tête à domicile. Vous pourriez être plus clair quand vous parlez, parce que franchement, c'est incompréhensible. Tiens. Oh mon Dieu.
vraiment pas serein, je sais pas d'où ça peut venir, je sais pas où c'est. Je sais pas où est le danger, je sais pas d'où il peut venir. T'es un gentil toi? Déchire son ventre. Ouais, t'es un gentil. Mais... merde! Ils nous ont tués! Lynn! Les méchants ont été tués! Partez! Nous devons partir! Il faut y aller! Je passe par où? Ah, sûrement. D'accord, j'avais pas vu ce petit chemin à la con. On va recharger la pile maintenant. Je vais finir dans l'école à nouveau. Eh bah tiens. Comme c'est étonnant. Un peu trop simple d'aller vers la lumière tout de suite. Je vais fouiller moi avant. Pourquoi il y a un espèce de petit parcours d'obstacle là? Non, c'est... non, ça va pas servir, genre si je me mets à courir et que je fais Aya! Ah non, ça sert pas. Autant pour moi, j'ai trop l'habitude de fuir des choses qui veulent ma mort dans ce jeu. Oh, y'a rien de caché sous la table. Oh, arrête de déconner toi. J'aime pas quand il y a autant de salles qui sont ouvertes et autres là, c'est pas normal. Ok, donc maintenant je vais aller vers la lumière. Bon, pas au sens que j'ai envie de mourir, hein, j'aimerais bien éviter quand même. Et ouais. Vers la lumière, ah oui. Corps aussi. Ça lui est venu à l'esprit. Évidemment. Tiens, impossible de porter plus de bandages. Je me suis toujours pas fait prendre de dégâts moi, tout à l'heure. Il y a forcément un des PC qui va être allumé à un moment. Il déconne pas les caméras, la caméra là, le caméscope. Jésus, votre ami de tous, il vous guide vers la lumière. Ah, voilà un PC allumé. Jessica rejoint ce qu'elle. Ça marche, c'est bizarre. Je te vois écrire sur l'ordinateur, tourne-toi. Oh! Oh bah zut alors! Préparez-vous pour le screamer. Je vais pas regarder cet écran là tout de suite. Ok. Ok, bon bah on va le regarder maintenant. Quoi ça? Alors qu'est-ce qu'elle va me dire maintenant? What the fuck? Bon, je vais laisser ça tranquille parce que... oh... comme c'est charmant. Bienvenue dans la discothèque des pauvres.
maintenant et tiens, vous me saluez. Mais oui, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. On va passer à la suite, hein. Pas rester dans cette salle avec les ordi, ça me nique les oreilles. Alors, je pensais qu'après avoir fermé une porte, ça m'aiderait. Oh, il va falloir que je repasse de l'autre côté. Bon, on va repasser dans le couloir de la mort. C'est l'heure du décès auditif. Enfin, quoique, je vais d'abord retourner sur ce PC. Bon, ok. Oh merde, juste là, une porte. Oh, j'aimerais tellement que ça atténue le son, mais même pas. Même pas ça atténue le son de fermer une porte, tu sais. Bon, laisse-moi sortir. Bon, allez, on ferme la porte. Quelqu'un de poli. Oh, c'est pas vrai. Allez, à tous les coups, il y a un truc sur ce PC-là, non? Non. Ok. Va falloir que je cherche PC dans cette salle. Ou alors c'était la porte qu'il y avait juste en face que j'ai pas essayé d'ouvrir. Bon, le seul PC qui reste allumé comme ça... Ouais, bon, voilà. Bien évidemment, le seul endroit où j'ai pas regardé en premier est... Et les ordis se sont calmés, bon. Est-ce que vous voulez lire les petites prières pour catholiques déprimés qui étaient affichées tout à l'heure? Enfin, c'était pas des petites prières pour catholiques déprimés, c'était quoi déjà? Communauté soutien espoir et prières pour catholiques déprimés. Ah bah si, en fait. Alors, qui a le contrôle? Mon mari dit que tout arrive pour une raison et que Dieu a un plan. Mais il dit également qu'il faut créer sa propre chance. Si tu veux quelque chose, tu dois changer ce qui est en travers de ton chemin pour y arriver. Je ne veux pas lui dire qu'il se contredit parce qu'il n'aime pas ça et il peut avoir la main lourde. J'ai l'impression de n'avoir aucun contrôle mais que tout est de ma faute en même temps. J'ai le pire des deux mondes. Ok. Parfois la même sensation. Souvent. Tu es un adulte? J'ai presque 50 ans, je suppose que c'est un peu stupide pour une femme adulte de s'inquiéter comme ça. Je ne devrais probablement même pas être ici. Ce n'est pas stupide du tout. Je voulais juste savoir. Qu'est-ce que tu fais lorsque ton mari lève la main sur toi? Il te fait du mal? On peut appeler la police si c'est quelqu'un dans sa famille. Oh ma chérie, je suis désolé. Tu peux peut-être discuter avec un de tes professeurs. Ok. Eh, ce serait pas des vitres blindées, voilà, hein. Ce serait des vitres blindées, ça laisserait pas penser le son. Même si c'était l'apocalypse. Laisse-moi quoi? Pas bien ce que j'ai vu, mais bon. Si cette caméra pouvait arrêter de déconner tout le temps aussi. Bon, et maintenant la meilleure idée du siècle, on va retourner dans la zone de la piscine. Parce que fondamentalement, on est quand même très con. Qu'est-ce que ça dit, ce coup-ci ? Hold me, sûrement. Ou help me. Help me, ça me paraît mieux. Parce que bon, hold me... Bon, quoique, c'est une façon d'aider les gens, parfois. Toilettes,
Quelle idée magnifique à chaque fois dans les jeux d'horreur. C'est tellement une bonne idée que généralement il y a des choses dedans, donc bon. Il me semblait bien que je t'avais vu au bout du couloir. Va aller te rejoindre tout de suite. Je vais d'abord regarder que ces portes soient tout à fait verrouillées. Bon, celle-là, on me le dit carrément, je veux dire, même pas on me laisse essayer. Oh! Marrant ça, en vision nocturne, elle apparaissait pas. Je vais me prendre un streamer là. Oh, c'est tout? Quoi? Oh, je me suis fait enculer. Allez, reprends ta respiration, gamin. Allez. Ça. Oh oh. Non mais c'est rien, je m'en vais. Ah non, pas dans l'eau, pas encore. Vous me cassez les couilles à la fin.